Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau contenu. Donc installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Alors, cette vidéo est enregistrée en amont puisque je suis en convalescence, je me suis fait opérer, vous le savez. Qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi, il y avait un drôle de bruit, il y a quelqu'un qui criait derrière dehors. Donc vous le savez, je me suis fait opérer et donc je vous ai préparé des vidéos pour pas trop vous manquer. Voilà. Je vous remercie infiniment pour toutes vos prières hein, de guérison auprès de Jésus, de Marie, de l'univers, de Dieu. Merci parce que ça m'aide. Merci infiniment. Je pense bien fort à vous. Je me repose, je me remets doucement mais sûrement, certainement, je vous le dis en avant, enfin je le fais en amont, mais j'imagine qu'au moment où vous verrez cette vidéo, je serai donc en convalescence et je serai en train de me reposer. Donc on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec le joli tableau de Marie-Christine qu'elle m'a offert et qu'elle a fait pour moi. Il est magnifique ce tableau. On est sur la chaîne Angèle Lumière Divine des Étoiles. Donc c'est la chaîne qui est consacrée aux flammes jumelles. Donc c'est une guidance spéciale flammes jumelles. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Installez-vous confortablement. C'est votre petit moment à vous et notre petit moment à nous. Allez, c'est parti. Alors, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Ouh là 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 là. On a la chance aujourd'hui, mes petites étoiles, qui est en parcours de flammes jumelles. On a l'ange de l'amour. L'ange de l'amour est là, parmi nous. Ça va être puissant. Hein. Donc on parle de compassion, de bonté et de bienveillance. On voit un homme qui a le cœur comme un diamant, un cœur pur. Votre flamme jumelle qui pense à vous. Allez, on va le mettre là. Voilà. Et on va voir les énergies. Les énergies du moment. Allez. S'il vous plaît. Tout. Les êtres de lumière, les anges, merci. Oups, oh là là. Le choc du changement. Donc là, vous êtes choqué par rapport à quelque chose que vous avez entendu, que vous avez vu. Et il y a un grand changement. Vous allez être choqué, vous allez entendre quelque chose ou voir quelque chose qui va vous choquer. Et ça va changer, d'accord? Donc c'est la carte 6. Il y a vraiment là quelque chose qui vous a bouleversé. Et là, on a confiance dans le processus. Carte 32. Confiance dans le processus. Ce qui arrive, c'est un processus. Il faut avoir confiance dans le processus des flammes jumelles. Voilà. Donc là, je ressens que vous êtes bouleversé. Et que vous priez certainement. Voilà. Je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la destinée des flammes jumelles. Je vais descendre mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Allez, oups. Qu'est-ce que l'on vous dit? On parle de changement à venir. Là, dans votre parcours de flammes jumelles, il va y avoir un bouleversement, un grand changement. Et c'est peut-être ça qui va vous choquer. Il y a un grand changement pour vous. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres.
Alors, on parle de loyauté là. Il y a quelqu'un de loyal, carte 47, peut-être son âge ou votre âge. On voit quelqu'un qui a un chien, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est peut-être un ami à vous. En tous les cas, il y a le chien, c'est l'amitié, la fidélité, la protection. On voit qu'il y a quelqu'un qui ne bouge pas, qui est à vos pieds. Donc, votre flamme jumelle est à vos pieds et elle est loyale. Il y a un grand changement à venir. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres. Alors, attendez, je vais prendre dans l'ordre. Bon, il y a des médisances, hein. Comme à chaque fois, autour des flammes jumelles, il y a souvent des médisances. On parle de communication claire avec son cœur. Là, il y a quelqu'un qui va ouvrir son cœur et qui va vous parler. Ça va vous choquer tellement, peut-être qu'il ne l'a jamais fait. Et il va enfin ouvrir son cœur. Et là, on vous dit qu'il va falloir encore du temps et de la patience pour ça. On voit aussi que peut-être on vous a menti ou trahi. Il y a quelqu'un qui porte un masque, qui ne vous dit pas la totalité de la vérité. Alors, on va regarder. Donc là, on vous dit que vous avez le partage des responsabilités par rapport à ce parcours, par rapport à ce qui se passe. Et on parle aussi là d'une relation toxique. Il y a quelqu'un qui essaye de vous faire succomber là, quelqu'un de toxique. Je dirais que ce n'est pas votre flamme jumelle, mais quelqu'un d'autre. Faites attention. Donc là, il va y avoir un nettoyage, un déblocage des énergies. Et on voit que votre flamme jumelle, pour l'instant, elle prend la fuite encore. Elle est toujours en train de fuir. Allez, s'il vous plaît. Il y a des enfants qui jouent dehors. Je ne sais pas si vous entendez rigoler. Ça, c'est marrant. C'est vos enfants intérieurs, peut-être, qui rigolent. En tout cas, on parle de fusion, fusion des sentiments. Et on dit qu'il y a une tierce personne, une énergie tierce là qui bloque tout. C'est à cause de la tierce. Alors, blocage du principe masculin. Donc le masculin, il est bloqué à cause de la tierce. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus le masculin. Parce qu'il a envie en lui de se rapprocher de vous. Et de. Il a besoin de faire de nouveaux projets avec vous. Il a envie de se projeter. Il a envie de vraiment faire de belles choses. Là, je vois que pour vous, vous allez. En tout cas, je dirais même que votre flamme jumelle a le projet de déménager, de se rapprocher de vous, de se déplacer avec vous. Quelqu'un qui a envie de voyager, quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous. Parce qu'il y a de la distance. Bon, on voit qu'il vous apprécie énormément et qu'il a beaucoup de gratitude envers vous. Qu'il est en train d'accepter votre lien, il est en train de vous accepter. Malgré des conflits et des disputes intérieures et peut-être entre vous, on voit que votre flamme jumelle est reconnaissante et qu'elle a besoin de vous. Alors, par contre, c'est vrai qu'il y a eu de la manipulation et du mensonge. Allez, s'il vous plaît. Tout. Bon, on voit qu'il va y avoir un engagement ou il y a déjà un engagement. C'est en train de grandir en lui ou en elle, hein. Il y a vraiment une croissance là. Il y a quelqu'un qui est en train de grandir spirituellement, qui est nourri par la source, qui est nourri par l'univers. Et on est en train de lui insuffler l'envie de s'engager avec vous et d'être beaucoup plus souple et disponible pour vous. Parce qu'aujourd'hui, il y a des blocages matériels. De son côté, il a peur de tout perdre. S'il va vers vous, il y a un gros risque, pour ne pas dire à 100% certain et sûr, qu'il va tout perdre. Et il le sait, il en a vraiment conscience et il n'est peut-être pas prêt encore à tout perdre. Mais on voit qu'il va avoir un déclic, une illumination et il va avoir une prise de décision. Et là,
sa décision, c'est de prendre sa dépendance, enfin son cœur et de venir vers vous. Il y a une dépendance affective, hein, carte 39. Il peut pas, il est en train d'avoir un déclic, il est en train de prendre conscience qu'il ne peut pas se passer de vous en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'avait peut-être pas compris ou qu'il n'avait pas pris conscience jusqu'à présent. Voilà, alors je vais vous passer un message avec mon oracle. L'étoile de mer, si vous voulez me le commander, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. C'est un oracle que j'ai créé et mis dans la matière en une journée, le jour du portail énergétique du 888. Alors, s'il vous plaît. Alors là, on vous dit que vous allez vous accomplir. Il y a quelque chose qui va s'accomplir. S'il vous plaît. Oups. Transformation. Donc, il va y avoir vraiment une transformation là pour vous et pour lui. Et on vous parle de coup de cœur. Vous êtes son coup de cœur, clairement, et ça transforme, c'est en train de se transformer là. Il a un déclic, je vous l'ai dit. Allez, un message pour vous avec les secrets de ton amour. Inconstance au sein d'une relation. Proposition de nouveaux projets au sein d'une union pour le printemps. Donc, vous voyez, il y a des choses là qui sont en train de se prévoir, il est en train de réfléchir, il se projette avec vous, hein. Il a des projets. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez dans la boule de cristal. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Alors, on parle encore de projection et de stabilité au sein d'une union. Prochaine saison. Donc ça devrait se stabiliser pour la prochaine saison. Il devrait y avoir une union vraiment avec un engagement là. D'accord? Voilà mes petites étoiles. Alors je vais vous passer un message de Jésus et de Marie. Je vous ai pas passé, je vais vous passer. Mince, j'ai mal au dos. Oups. Je vais prendre l'oracle des souhaits. Et on va voir quel est le signe de cette vidéo du coup. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, souhait à la lune. La lune me montre la patience. Je dirais que le signe de cette vidéo, c'est la lune. Ah. La pleine lune, hein, grosse lune comme ça, soit en vrai, soit en illustration, photo, film, mots, etc. C'est que cette vidéo était pour vous. Voilà. Hop. Alors, je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus. S'il vous plaît. Alors, Marie vous dit que vous allez avoir des signes. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence et je les remarque et je leur fais confiance. Voilà. Et il y a une carte qui s'est retournée et c'est Jésus lui-même qui est là. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Et je vais prendre un message de Jésus. Allez, s'il vous plaît. Ayez foi en Dieu. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Voilà mes petites étoiles. Voilà. Donc exceptionnellement, il n'y aura pas de complément Vimeo aujourd'hui. Parce que quand je tourne la vidéo, il est très tard et que je suis très fatiguée.
En tous les cas, je vous remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. N'hésitez pas à liker cette vidéo avant de partir, de commenter, de partager, de vous abonner. Je vous remercie pour votre soutien. J'en ai vraiment besoin en ce moment. Comme vous le savez, j'ai besoin de vous ressentir et je vous ressens. Merci pour vos prières. Je vous fais des gros bisous. Pensez à vous. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein, plein d'énergie, d'amour. Voilà. Je pense bien fort à vous. J'ai hâte de vous retrouver. Je vous fais des gros bisous. À très vite. Merci mes petites étoiles. Je vous aime.